casserole. Nous viendrons à bout de la lutte. Ouais. Tu es prêt? Je m'en occupe. Et oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Mika. Alors aujourd'hui, ça va être une mission qui enfin est digne d'intérêt. Un combat vraiment dantesque, mais qui est quand même ultra long entre Bahamut et du coup Clive et surtout un personnage surprise que l'on va voir ensemble dans cette petite vidéo. En tout cas, commentez, likez et partagez si vous aimez ce contenu. Et nous, c'est parti. On va aller là-bas dans le château, péter ce fameux cristal, ce tout petit cristal, comme tout le monde le voit. Bref, c'est le même scénario que d'habitude, hein. Machin inintéressant, puis petit build-up pour aller dans le château, tout défoncer, battre le boss, le demi-boss d'ailleurs même, avant le combat final, contre le boss, et enfin récupérer ses pouvoirs du primordial, et passer au suivant, alors, tout simplement. Alors, comment est-ce que, où est-ce que je dois aller? Mon chien. Ah voilà, tu sais où il faut aller donc. Tu te déplaces sur le toit mieux que moi. Ah oui, effectivement, il n'y a pas de saut à l'Assassin's Creed à faire. Allez, faut passer par là. Oh, le mec, la confiance ultime. Des chevaliers dragons sombres et quoi? Eh oui. Alors, j'ai oublié de vous dire, suivez-moi sur YouTube, bienvenue chez les geeks, ou sur YouTube, Mika rediffusion Twitch, ou alors sur Twitch, Mika sur Twitch. Vous avez tous les liens dans la description de la chaîne et de la vidéo. Mais enfin, que se passe-t-il? Il faut qu'on aille voir. Ouais. Oui, bien sûr, c'est en train de péter, tu vas voir. Quand tout le monde se barre, toi tu vas voir. Mais d'abord, retrouvons Guts. Ben oui, parce qu'il y a des priorités. Pourvu qu'il soit sain et sauf. Oh, des ennemis. Allez. J'en prends un deuxième, j'en prends trois sur moi. C'est parfait. Et voilà, plus méchant. Ils sont armés. Oui, on est là. Pas lui, sur... Non, lui. Eh ben, quand même. Ah bien, un ennemi un peu costaud. Aide-moi,
Il dit sans mot. Hein. J'ai échoué. Ouais, c'est bon, 3 et 4, c'est bon. Ça va être difficile. Oui, c'est terminé. Il s'est barré à temps. Hein. Et voilà, c'est terminé. Mais pourquoi? C'est une insurrection. Ok, il n'y a même pas de plateforme, c'est juste une glissade. Je ne pensais pas avoir hâte de me retrouver dans les égouts. 1111 points de vie, si je voulais faire ça. Oh, bien sûr, il y a des crabes ici, évidemment. C'est d'une logique. Ah oui, il y a un peu d'eau ici, ok, ça va, j'ai rien dit. Il y a un peu d'eau, du coup, il y a des crabes géants dans le château. Le voilà, le beffroi. Bien, allons-y. Ok. Mais sauf que Guts, lui, il est un petit peu simplé, donc il est forcément allé là-bas sans réfléchir. Oh, un ballon. Joli plan. Bon sang, mais par où êtes-vous passé? Par là. Il a dit on est passé par derrière. Bah oui, fatalement. Ah, je croyais que j'étais sur un mur. C'est ça que je voulais faire. Des intrus!
j'ai raté. J'ai pas eu le temps de gagner ma vie par contre. Passe par là. Et voilà. Tiens-moi en Guts. On arrive. Je vais voir que Guts... Pardon. Tu vas voir que Guts il va être tranquillement posé gentiment dans un coin totalement safe. Tiens-moi.
fait ça quand il fallait pas. Oh, quoique. Voilà. J'allais dire. J'étais prêt à parier que j'allais avoir une popo juste après. Voici popo. Gros animal. Des ennemis sur les remparts. Tu l'es. Famu. Et là, on arrive directement au beffroi. Donc un combat de boss. Attends, mais on devait pas aller au beffroi à la base? Pour aller sauver Guts? Ah non, on est en extérieur. Ah mais non, c'est bon, c'est bien ça, c'est bien le beffroi, c'est pas le... Mais où se cache Guts? Oh, un dragon. C'est étonnant. Ben non, il y a des dragons chez Saint-Dragon, un peu ça t'étonne. Non, par contre, on n'attaque pas 100%. Qu'il nous prépare quelque chose.
On n'a plus le temps, bouger. Hein. Ah, faut sauter aussi. Et oh. Merde, je suis foutu. Ah non, j'avais un petit champ de vie. Allez, game over, on le reprend. Oh, ça va chiffrer. Eh oui, c'est pour le mettre dessus, c'était pas la peine. Hein. Il est parti à l'opposé, ce con. J'ai appuyé sur triangle, il n'a pas fait attaque. Bon, allez, j'ai tombé sa tête. Je vais le mettre, je le marave. Ah,
Non, c'est devant, c'est devant, c'est devant. Ok, ça va, j'ai quand même avancé d'une phase. Et en propos, je suis toujours full. Et merde, c'est quand même pris dans la gueule. Et ben voilà, Dragon Ball vaincu. Un peu tendu quand même à la fin. Et gain de niveau, niveau 32-33, ok. Le mieux Dragon Ball, ok, on ferme. Ça va, ça va. Guts, te voilà. Je savais pas qu'il y aurait un dragon. Allez, on s'éclipse. Ah ben, en parlant d'éclipse. Quoi encore? Mais c'est le noyau du cristal mère. Je ne comprends pas ce qu'il fait là.
Mais c'est pas un mute, hein? Ok, bah multi-détruit tout. Il y a des canons sur les ailes quand même. Hein. Qu'il voulait. Pourquoi fait-il ça? Pardon, Yoté. Mais il faut que je l'arrête. Attendez! Se faire absorber. C'est lui qui a détruit. Oh, vraiment un changement dans le scénario. Finesse, c'est trop bien. Un élément de surprise. Bah non, du coup il a un cri encore plus fort, encore plus gros, encore plus puissant. Et du coup je vais quand même faire la même chose, mais au moins il y a une variation dans le scénario. Alors, on fait quoi maintenant? On détruit le noyau. Et si Bahamut revient? Dès que l'incendie sera éteint, les Impériaux et les Dalmecs interviendront. C'est peut-être notre seule chance. Et Bahamut est parti pour le moment. Tu devrais t'en aller aussi et te mettre à l'abri, Guts. Et vous laissez dans le pétrin tous les deux? Je peux pas faire ça! Si vous restez, alors moi aussi! J'ai emporté un peu de stock avant de m'enfuir, donc si vous faut quelque chose, n'hésitez pas. Mais n'allez pas croire que c'est gratuit, hein? Mamie me le pardonnerait jamais. Merci, Guts. On va faire le plein de stuff. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse? Tu veux faire des achats? Non, j'y pensais à la blague. Oh là là. Le mec, il a une épée meilleure sur lui depuis longtemps. En plus, c'est bien meilleur. Hein. 245 pour 185. Et tu sais, je vais refaire dans ma tête, je me suis dit, oh, comme par hasard, t'as une meilleure épée. Et mettre. Je sais pas si vous avez vu le JDG sur Scooby-Doo. Et t'as Fred, il avait l'arme ultime pour vaincre l'ennemi dès le début. Et ton menu fait, oh là là, bah dis donc, oh, quel plaisantin. Tu avais ça depuis le début, et là c'est exactement ça. Le personnage qui m'accompagne depuis le début a une arme bien meilleure sur lui que celle que j'ai. Tout est meilleur, tout, parce que tout est meilleur. Prendre celle-là à 3000 balles, j'en ai 95 000. Merci. Ah oui, je prends celle-là et je l'équipe, évidemment.
Les autres épées, il les prend, je sais même pas pourquoi. Les objets, non, c'est pas ça. Ceinture, ceinture, j'ai quoi? C'est la 66, 55. Allez, je crois que depuis le début, j'avais mes ceintures. Faut autre chose, bracelet. Ah. Donc pour un point, perdre les stats d'à côté, ça sert à rien. Ici, le tir chargé a été bloqué par une pompe. Je m'en fous, honnêtement, parce qu'il n'y a pas besoin des météorites. Matériel d'artisanat, j'ai besoin d'artisaner, rien du tout pour l'instant. Mais bientôt à la fin du jeu, là, je prends les 4. Ici, les super popos, je prends les 3. Ça fera l'affaire. L'élixir à 10 000. Non, ce sert strictement à rien. Celle de force, je vais en prendre 2. Et celle de défense, je suis fou. Et l'autre, c'est quoi? C'est passif nectar, machin, j'ai déjà ce qu'il faut. Augmenter automatiquement lorsque la jauge transcendante dépasse 30 secondes. Faut augmenter. Ok, bon, ça sert strictement à rien. Alors, ta forge. Je peux te forger ce que tu veux. Ouais. Oh, là, je peux améliorer un petit peu des trucs. Eh bien, écoute. On va la passer à 255. Je crois que c'est pas trop mal. Voilà. Ce sera tout pour la forge? Ouais, ça fera l'affaire. Si tu veux autre chose. Non, mais c'est bon, t'inquiète pas mon poteau. Ça ira, juste aller dans le système, faire sauvegarde. Sauvegarder. Ici. Et oui, mon ami. Niveau 33. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, le chien veut parler. N'aie pas peur, mon grand. Et voilà, il dit toujours la même chose, lui. Nous arrivons à Kodrak, Clive. Nous allons briser le cristal mère pour le bien de tous. Oui, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs fois. Oh, c'est pas trop tôt. Mais n'oublie pas, Bahamut rôde encore. Et je parie que nous aurons l'occasion de le revoir avant le matin. Comme par hasard, pari gagnant. Que de destruction. Il va falloir se frayer un chemin. Tu ressens ça, Clive? De l'éther. Il ne manquait plus que ça. Une fuite d'éther. Ils sont déjà contaminés. Dans ce cas, aucune raison d'hésiter. Même si depuis si peu de temps, eux, ils sont dans cet état-là, bon, qu'est-ce que je vais devenir, hein? Allez, c'est d'abord cela. Allez!
terminé. Rien surtout, Angie, là. Sur le pompier aussi. On va y avoir un moyen de monter. Un moyen de monter, peut-être par une échelle ou oh, un truc qui fasse office d'échelle. Oh le frérot. Mais c'est... C'est oui. Phoenix. Oui, c'est le brother. Joshua. Qu'est-ce qu'il fait? Il se bat contre Bahamut. Sans déconner. Tu poses la question? Joshua. Joshua. Non, Clive. C'est trop dangereux. J'arrive! Nous devons l'aider. Oui, bien sûr. Mais pour ça, il faut avancer. No shit, Sherlock. Sans déconner. Là-bas. Une explosion. Bahamut, il est devenu fou. Le voilà. Joshua. Joshua, c'est moi! Mais tu crois qu'il t'entend ou quoi? Il ne t'entend pas. Sans déconner. Joshua! Il se dirige vers le noyau. Alors dépêchons-nous. Bah oui, t'as pas blagué aussi. Allez, recombat! D'accord.
Alors là, on était face à des ennemis. Ils mettent un bouclier sur d'autres. Et je suis en jeu totalement normal. Hein. Et je suis déjà tellement puissant que je n'ai même pas besoin de tenir compte des stratégies que me propose le jeu. Potion, potion. Et il m'attendait là bien gentiment celui-là. Hein. Revenez sur tout. Potion, potion. Super popo. Non, deux études d'artisanat. C'est le palais impérial qu'on voit. Super popo. Comment tient-il encore? Bonne question. Et combat. Et combat. T'inquiète pas, Clive. Il s'en sortira. Nous y sommes presque. Ça craint un peu, hein. Nécrophobie. Peur de la mort. Yeah!
Oh, c'est passé, ça a touché. Il a pas cru. J'y vois rien, je sais pas ce qui se passe. Attaquer jusqu'au bout. J'ai un très mauvais pressentiment. Allez. Il faut l'achever tout de suite. Ça touchait. Oh, et j'ai mouru. Ok, petit coup de poing à l'infini. Nécrophobie vaincue. Ces créatures, elles sont de plus en plus fortes. Nous y réfléchirons plus tard. Concentrons-nous sur notre objectif pour l'instant. C'est vrai.
Essayons de passer par l'intérieur. Ça vaut le coup d'essayer. Et tout qu'un tas que ça comme chemin, ouais. Je pense. Chut. Il y a quelqu'un par là. Qui va là ? C'est moi, c'est moi. Oh ! Mère. Maman ! C'est toi ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Vas-y, fais ce qu'il faut, hein. Tu peux me prendre mon fils, toi aussi ? Non, 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 je peux pas te prendre. Non, c'est toi tout simplement. Puisque tu m'as fait. Va-t'en. Je le protégerai. Non, mais une petite vengeance à avoir. Si à l'enfant que vous avez conçu avec Sylvestre. Pourquoi, mère? Pourquoi nous avez-vous tous trahis? Tu n'es qu'un renégat. Vas-y, fais ce qu'il faut. Oh, répondez-lui. Espèce de barbare ingrate. Oublies-tu que nous t'avons épargné et recueilli ? Ce brave Helwyn, il ne pensait qu'à sa chère patrie. Mais que voudront un pays dans un monde gangréné par le fléau ? Père ne se contentait pas de protéger son pays. Il protégeait avant tout son peuple. Un seigneur n'a pas pour devoir de protéger la plèbe. Il se doit de préserver la source de sa souveraineté. Le noble sang qui coule dans les veines de sa famille. Tant que cette lignée se maintient, il importe peu qu'un pays disparaisse. On peut toujours en fonder un autre. Pour ma part, j'ai fait mon devoir. J'ai préservé mon sang. J'ai même été jusqu'à l'améliorer. Mon fils régnera sur le monde. Voilà pourquoi j'ai cédé Rosalia à Sambrec. Afin d'unir ma lignée à celle des Le Sage. Et d'enfanter du maître de ces terres maudites, descendants de Bahamut et de Phénix. Vous avez trahi votre pays pour votre sang. Et vous aviez un héritier. Vous aviez Joshua. Je n'avais rien. Tu ne t'es jamais éveillé au pouvoir de Phénix et pourtant tu es devenu le portrait craché de ton père. Fort, bon et courageux. C'est Joshua qui aurait dû posséder toutes ces qualités. Fort, bon et courageux. Elle est jalouse parce que même ses fils... En disant que l'aîné d'Elwyn devait être né d'une concubine et mon cadet voué à mourir jeune. Quelle humiliation! Subir de telles médisances de la part de mes inférieurs! Comment est-ce que tu pourrais comprendre ce que j'ai vécu? Ça aurait dû être toi! Pourquoi n'as-tu pas hérité de Phénix? Joshua a dès son enfance le phare. J'ai hérité du fric. Phénix et l'archiduché avaient placé sur ses frêles épaules. Alors, si je suis devenu son gardien, c'était pour le soulager! Mais vous, qu'avez-vous fait? Vous avez osé trahir les vôtres et condamner votre enfant à sa perte. Joshua, mon pauvre chéri. Je ne voulais pas lui faire de mal. Mes ordres étaient très clairs. Il fallait l'épargner. Pourquoi as-tu survécu alors que l'enfant qui m'était le plus cher est mort? Ouais, non, mais les... je sais pas qui est vivant. Quoi? Regardez donc par la fenêtre. Joshua est là! Phénix est vivant! Il est en train de se battre contre Bahamut! Elle fait des gosses pour pur égoïsme. Comme par ça, elle tombe dans la bonne chambre. Il ne peut pas trop près pour pas écraser sa maman. Joshua! Réponds! Il va attaquer de nouveau pour l'achever. C'est mon devoir de le protéger. Attends, Clive! Thank you.
mais il se fait comme Bahamut. Je vais faire un jump. Ok, j'aurais dû me barrer tout simplement. Phoenix qui vient m'aider. Très bien. Joshua! Non! Si tu peux le faire, alors moi aussi! Alors, pareil. Même réplique que contre Titan, du coup, je récupère une nouvelle compétence. J'imagine. Crachat pour la prise. Explication, voilà, et on coupe un combat. Encore une fois, un coupe combat primordial, magistral, le combat le plus épique de la séquence. Voilà pour te dire, vas-y, faut prendre un nouveau truc. Tu te mettre un gros logo qui s'affiche en bas, que pendant l'action tu puisses te rendre compte de que tu as un nouveau truc à faire. Non, non, ça te coupe le jeu complet. Et oui, Art de Triangle, merci, j'avais compris. Et ça me permet de. Péter toutes les compétences, d'accord, après c'est moi qui dirige. Ok. Ok, d'accord, par contre, cette direction. Pas du tout ce que j'ai d'habitude. J'ai besoin de sauter.
Et ça m'a fait gâcher, génial. Oh vas-y, mais... Oh, comment tu casses-moi le jeu. Déplacement visé, attaque boule de feu, tir chargé, erreur esquive. Et il peut également tirer en salve, maintenir rond. Ok, donc je vais par limite en chemin. En chemin, pas en rail shooter. Mais mon curseur, j'ai mal à le voir. C'est vachement trompeur au niveau du regard. Parce que moi, je suis en rouge au premier plan. Du coup, je me vois très bien. Et mon adversaire qui est au loin en petit, des couleurs bleues comme le fond, j'ai du mal à le voir.
Ah bah oui, c'est terminé pour toi apparemment. Pixel dans l'explosion. Clive, tu vas bien? Allez, le troisième round maintenant, c'est les deux. Ok, c'est une attaque simultanée avec les deux bros. Ok, les attaques spéciales se font en duo maintenant. Ça a touché. C'est bon. Ah, ça a touché quand même. C'est compris. Ok, elle avait anticipé l'attaque de Bahamut. Thank you.
je suis là, machin carré. Allez, voilà. Et voilà, Bahamut vaincu. Il est bientôt 10h30 déjà. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train d'absorber l'éther. Il faut l'en empêcher. Quand une phase suivante comme AFP Titan. De l'éther aussi, hein. Faut que j'arrive à me soulager. Il fusionne. 12, c'est possible. Bah, mais là, le scénario, il s'arrange, là. Comment ça se fait qu'ils fusionnent? Ok, c'est deux frères, c'est deux trucs de feu, mais c'est deux entités différentes. C'est deux entités différentes. Nous avons fusionné. On peut y arriver. En avant, Clive. Ensemble, nous viendrons à bout de Bahamut. Ouais. C'est Gachou qui a marqué le nom d'attaque, là. Le Gafition. Tu es prêt? Je m'en occupe. Allez, oh courant. Il avait marqué Bahamut vaincu. Et fuite parachute et net, tu me recasses. Mais t'as trois fois dans le combat, tu casses ce rythme. Sous la forme des fruits de parachevé, toutes les compétences des fruits sont renforcées. Ok. Les fruits de parachevé peuvent également utiliser une compétence similaire à Eclipse de Phoenix, appelée vitesse de la lumière en appuyant sur 3. D'accord. Les détails des actions des compétences des fruits peuvent être consultés dans parachevé. Dans l'onglet primordiaux du menu principal. Ouais. Et tu me dis en plein combat, tu fais des coupes de nouvelles compétences et tu dis en fait, tu peux tout arrêter et partir dans le menu principal. Regardez ce que ça fait. C'est mal foutu. Son pouvoir est grand, mais nous devons l'arrêter. Et allez, et on repart. Pour toucher par ça. Ah.
Bon, en tout cas, ça lui fait bien mal quand même. Au moins ça a marché. Pardon. Thank you.
à bouger. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il va tout détruire. On va l'achever, fin d'histoire. Et voilà. La fin du combat. Joshua ! Clive ! Mon petit frère. Mon grand frère. Clive, pardonne-moi. Je m'en veux tellement. Tu es vivant. On est en vie. Et on s'est retrouvés. Je n'avais jamais pensé pouvoir te revoir un jour. Après tout ce temps... Jill... Ok, donc c'est Ultima qui est incarné dans le corps du fils. Bien wesh, Gion, bien wesh.
c'est fini. Le démon qui voulait détruire notre patrie est anéanti. Oh, père. Je pense pas que c'était si simple. Le cristal mère, il s'écroule. Vite, nous devons partir. Non, attends. J'ai une dette envers lui. Ok, vas-y. Fais ta dette. Et j'ai les pouvoirs de Bahamut. Rassemblez vos hommes. Les saints dragons se rebellent. Ne peut-on rien faire pour les arrêter? J'en ai bien peur, hélas. Les saints dragons ne répondent plus qu'à leur prince. Ils échappent à notre contrôle. Oh, Dion, tu as perdu la tête. Notre priorité absolue doit être d'éteindre l'incendie du palais. La ville attendra. Et plus vite que ça, allez! À vos ordres. Dion, veux-tu bien m'expliquer ce qu'il se passe? Tu vas rappeler les saints dragons immédiatement. Hors de question. Ouais, mais c'est pas au même moment, ça. Ne vous inquiétez pas. C'est pour vous sauver que je suis là. Me sauver? Vous sauver des ténèbres qui dévorent le cœur de Sambrek. Des ténèbres qui proviennent de cette femme. La traîtresse Annabella. Tu te couvres de honte, Dion. Père, vous n'en avez pas conscience, mais son influence vous a transformé. Vous avez oublié qui vous étiez. S'il vous plaît, rappelez-vous, il fut un temps où vous gouverniez sans cruauté et avec compassion. Pourquoi ignorer les vœux de votre peuple? Et pourquoi attiser ainsi le feu de la guerre? Vous avez forcément remarqué sa transformation, vos éminences. Et vous aussi, vous savez très bien qu'Annabella est responsable de tout ça. Elle tire les ficelles dans l'ombre, mais si son pantin disparaît, elle sera impuissante. Quoi? Dion, c'est l'empereur que tu menaces ainsi, reprends-toi! Garde! Arrêtez-le! Pour chaque citoyen qui meurt, un autre vient au monde. Pour chaque bâtiment qui brûle, un terrain se libère. Je cite vos paroles. Mais quand vos citoyens seront tombés jusqu'au dernier, et quand toutes leurs demeures seront réduites en cendres, qu'adviendra-t-il de l'Empire, du gouvernement, de la déesse? Les cristaux mères disparaissent les uns après les autres. Le fléau noir n'en finit pas de détruire tout ce qui nous est cher. Et le peuple attend de son empereur qu'il le protège. Mais celui-ci n'a que faire de leur avenir. Il fomente une guerre pour s'approprier le monde par pure vanité. Quand bien même cela entraîne la ruine de tout ce que ces loyaux sujets ont construit de leurs mains. Dion, laisse-moi t'expliquer. Le peuple peut bien faire ça, pour son empereur. Et si tu te transformes en Bahamut, nous gagnerons facilement. Allez,
Va conquérir Valistea pour moi, grand frère. L'indifférence un peu totale. Bon, c'est mieux Ultima, pour ne pas avoir aucune réaction comme ça. Toujours trop gâté. Je savais bien qu'il mourrait pour moi. C'était juste une question de temps. Tu avais tout prévu. Tu es coriace, c'est vrai, mais tu as fini par craquer, j'en étais sûre. C'est au tour de Mythos maintenant. Il est tout proche. Tu vas te charger de la tirer. Vas-y, Bahamut. Le parricide. C'est là qu'il fallait planter. Et bon, moi on a l'explication. Pas ça. Clive. Je t'expliquerai plus tard. Nous devons partir, mère. Venez. Prenez ma main. Ne t'approche pas! Ceci n'est qu'un rêve, une illusion! Non, non. C'est bien la vérité, votre. Si c'est la conscience qui joint ensemble vos volontés, la conscience qui brouille la distinction entre votre volonté et celle des autres, alors nous allons vous séparer à nouveau. Les liens qui vous unissent seront brisés. Et l'humanité reprendra la place qui est la sienne. Car avec l'expurgation commencera une nouvelle ère de raison. Tout doux. Les deux flammes. Très cher roi.
trophée obtenu. Quelques heures plus tard. Ne veux-tu pas jouer? Oui. Comme au bon vieux temps. On va jouer, on va jouer. Si, c'est ce que vous voulez. Tu es aussi docile que tous les autres. De si frêles créatures. Là, ça change par contre. Se sont enfin retrouvés, et pendant un court instant, leur flamme a brillé vivement. Bientôt, Mythos sera prêt à devenir notre réceptacle. Notre nouveau monde verra alors le jour. Dans ce but, les liens seront rompus. La confiance, le respect, l'amour. Il nous faudra d'abord briser toutes ces chaînes de l'esprit pour pouvoir récupérer Mythos. L'expurgation remettra tout à zéro. L'humanité sera annihilée et Mythos libéré. Mais tant qu'il s'y attache encore, il est capable de forger de nouveaux liens. Voici notre demande. Va trancher tous les liens de Mythos. Trancher quelque chose qui n'a pas de forme. Vous demandez l'impossible. Rien ne résiste à la lame de Zantetsuken, Odin. Nous fusionnerons avec Mythos et bâtirons ensuite un nouveau monde. Surtout pas laisser son humanité évoluer. Ce sera fait, maître. Je vous suis dévoué. C'est qui elle, du coup? Oh, pauvre. Bon, allez. Fin de la séquence du ciel embrasé, je pense. Avec des plateformes. Oh là là, oui, c'est une fois. Parce que moi, j'allais jusque là-bas. Je clique sur le truc que je suis obligé de cliquer. Au repère de Clive. Comment va ton frère? Il dort depuis notre retour du Dominion. D'après Taria, il devrait se remettre rapidement. Il y a autre chose, par contre. Elle a trouvé une boule dans sa poitrine. Son pourtour est pétrifié. Ah. Oh non.
Nous avons surmonté tant d'obstacles. Mais nous ne sommes pas encore au bout de nos peines, on dirait. Ben non. C'est une lutte sans fin. Tant d'injustices sous un ciel si magnifique. Plonger dans le chaos. Écoutez, ça ce sera la prochaine fois, la prochaine, le prochain segment que l'on va faire. Et on va se retrouver avec Bahamut dans notre équipe. Et ça n'est absolument pas pour me déplaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ce live sur Twitch ou sur YouTube. Vous avez tous les liens dans la description pour me trouver soit sur Twitch, Mika sur Twitch, M-I-K sur Twitch en un seul mot. Ou sur YouTube, donc sur Bienvenue chez les Geeks, ou alors même sur Mika Rediffusion Twitch. Pour vraiment la diffusion intégrale de tout ce qui était diffusé sur Twitch. Bon, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de se revoir, c'était Mika. Ciao.